Yeshua. Et cette émission que vous connaissez, pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, quelques mois, quelques semaines, quelques jours, cette émission s'appelle La Dernière Trompette. La Dernière Trompette ou Le Dernier Chauffard. Et vous savez, vous connaissez bien, si vous êtes chrétien, le rôle, n'est-ce pas, d'une trompette ou des trompettes dans la Bible. N'est-ce pas? La fête de trompette était une fête que le Seigneur avait, n'est-ce pas, établie en Israël, l'une des sept fêtes de Yahweh en Israël, pour rassembler les élus, rassembler son peuple. Et cette fête de trompette, mes amis, qui avait lieu le, n'est-ce pas, premier du mois de Tsri, ou de Tam, hein, n'est-ce pas, le septième mois dans le calendrier hébraïque, cette fête pouvait durer, n'est-ce pas, deux ou trois jours, et avait pour but de rassembler les élus. Et elle préfigure, n'est-ce pas, premièrement, le rassemblement de l'Ecclésia lors du retour de Yeshua, n'est-ce pas? Et puis, deuxièmement, elle préfigure le rassemblement des Hébreux, n'est-ce pas, à Jérusalem. Donc, Dieu va rassembler ses élus, ses enfants des nations à Jérusalem. Et les Juifs feront de plus en plus leur alia, c'est-à-dire leur retour, n'est-ce pas, en Israël. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous voulons encore ce soir sonner le chauffard, sonner la trompette, et afin que vous soyez, n'est-ce pas, avertis. Alors demain, si Dieu nous, si Dieu le permet, il y aura un enseignement. Je ferai un enseignement avec des frères qui sont avec nous sur, n'est-ce pas, la fin de temps, hein, le dernier, la fin de temps, les derniers jours, et la différence entre la fin de temps et les derniers jours. Donc, on va essayer de partager sur, n'est-ce pas, voilà, ce thème demain soir. Donc, vous aurez, si vous le souhaitez, l'occasion, hein, de nous appeler demain pour poser des questions, n'est-ce pas, des questions qui vous viennent à l'esprit. Donc, on va parler de la fin de temps, des temps des nations, tout ça, et d'Israël, des nations, de ce qui va se passer, de ce qui se passe actuellement, des informations pour vous montrer à quel point, mes amis, l'heure est avancée, n'est-ce pas, et que nous sommes vraiment à la veille du retour du Maître, et il nous faut nous préparer pour ce jour glorieux. Alors, sans plus tarder, nous allons bien sûr commencer avec l'émission de ce soir, hein, donc le thème de ce soir, et c'est-à-dire le grand marché. Voilà, le grand marché. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1er. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et à l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Voilà, Paul parle à Timothée. Il était en prison, Paul. Et il était déjà, n'est-ce pas, il vivait déjà la fin de temps. Il vivait déjà les derniers jours. Sache que dans les derniers jours. Alors, l'expression, on en parlera demain beaucoup plus en détail. L'expression derniers jours, hein, les derniers jours. Cette expression a été utilisée pour la première fois par Jacob dans Genèse 49. Donc, on en parlera demain. Jacob va rassembler ses enfants. Il leur dit, écoutez, Shema Israël. Hein, donc, Shema Israël, votre père. Écoutez, Israël, votre père. N'est-ce pas? Et voilà, il dira, je vous annoncerai les choses qui auront lieu dans les derniers jours. Et dans la plupart de vos Bibles, dans la plupart de vos versions, notamment la version de Scofield, tout ça, Louis II, il est dit dans la suite de temps. Mais en fait, la vraie, n'est-ce pas, le vrai mot, c'est dans les derniers jours. Voilà. Et Jacob va annoncer à ses enfants ce qui allait se passer dans les derniers jours. Et Joël 2, n'est-ce pas, 28, nous dit que dans les derniers jours, Dieu, n'est-ce pas, allait répandre son esprit sur toute chair. Et Pierre, dans Actes chapitre 2, n'est-ce pas, nous dira effectivement que lors de la naissance de l'Église, à partir de la naissance de l'Église, les derniers jours ont commencé. D'accord? Donc, lors de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Et qu'est-ce qu'on apprend concernant justement cette époque, cette période que la Bible appelle les derniers jours?
Eh bien, ici, Paul nous dit justement que dans les derniers jours, donc on y est depuis la naissance de l'Église, et, hein, donc il va y avoir une dégradation de mœurs, de la moralité. Et Paul nous dit ici d'emblée que les hommes seront, n'est-ce pas, égoïstes, c'est-à-dire ils vont, n'est-ce pas, être idolâtres d'eux-mêmes. Ils vont s'idolâtrer, premièrement. Et deuxièmement, il nous dit qu'ils vont être amis de l'argent. Donc, on peut être ami de l'argent sans se rendre compte. Et ensuite, bien sûr, on finit par se rendre compte. Donc, Paul décrit ici le caractère, hein, les différents caractères des hommes qui se disent chrétiens, des hommes chrétiens, hommes et femmes, bien sûr, de notre génération, de notre temps dernier. Voilà. Et il dit qu'ils vont être amis de l'argent. Il nous annonce d'emblée que ces chrétiens qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force, donc il est question ici des chrétiens, parce qu'on sait que les hommes du monde ont toujours aimé l'argent. Donc Paul parle ici de chrétiens. Littéralement, il nous dit que dans les derniers temps, donc on y est, comme on l'a compris, que beaucoup d'églises seront amis de l'argent, parce que ces hommes sont les chrétiens, les chrétiennes. Donc ils seront amis de l'argent, ces chrétiens. Littéralement, ils vont adorer l'argent, ils vont aimer l'argent, ils vont prêcher l'argent, ils vont faire un culte, rendre un culte à l'argent, au Dieu argent, au Dieu mammon. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre ici, en fait. Il était en prison, frères et sœurs, quand il va écrire cette lettre, et il va avertir son enfant dans la foi, son enfant légitime, comme il le dit lui-même, Timothée, en lui disant qu'il faut t'éloigner, c'est-à-dire sortir, te séparer d'avec ces églises, d'avec ces prédicateurs, d'avec ces prophètes, ces apôtres, ces docteurs, ces prophétesses de malheur, n'est-ce pas, qui sont amis de l'argent, qui ont pour, n'est-ce pas, amitié, n'est-ce pas, qui ont pour motivation, eh ben l'argent. Et ils seront amis de l'argent. En fait, Paul va décrire ici également la septième église, qui est la dernière, c'est-à-dire l'église de Laodicée, comme on l'a si bien développé, mes amis, par la grâce du Seigneur, bien sûr. L'église de Laodicée nous dit quoi? Cette église, l'ange de Laodicée se dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Comment l'ange de Laodicée s'est-il enrichi, mes amis? Eh bien, en se servant, bien sûr, de la parole de Dieu, en se servant de l'évangile, en se servant également des hommes et des femmes qui allaient, n'est-ce pas, l'écouter et qui vont l'écouter pour ceux qui sont de notre génération. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 14. La parole nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit au messager de l'église de Laodicée. Donc voyez bien que frères, ceux qui sont amis de l'argent, d'après ce que Paul dit ici, ce sont les chrétiens. Et on nous décrit ici un ange, c'est-à-dire un messager, un envoyé de Dieu, quelqu'un que Dieu a envoyé, quelqu'un que Dieu a appelé et établi. Mais malheureusement, il va tomber dans la cupidité, il va aimer l'argent plus que Dieu. Et qu'est-ce qu'on apprend ici? Écrit à l'ange, au messager, n'est-ce pas, de l'église de Laodicée. Donc l'ange ici était un prédicateur, était un messager, un homme qui prêche l'évangile, qui annonce l'évangile. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ta bouche. Donc, pour votre information, la majorité de nos églises d'aujourd'hui sont vomies par le Seigneur. N'est-ce pas? C'est clair, parce que ce sont des églises qui sont amies de l'argent. Et on va le voir encore ce soir. Je connais tes œuvres, Dieu dit. Donc Dieu connaît nos œuvres. Et il est dit au verset 17, parce que tu dis, pourquoi Dieu a-t-il vomi cette église? Eh bien, tout simplement à cause des déclarations de l'ange de Laodicée. Or, il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. À cause des déclarations de l'ange, du pasteur, de l'apôtre, du prophète, du messager, de l'évangéliste, de l'ancien, du diacre. N'est-ce pas? Peu importe le titre, mais en tout cas à cause de l'église de Laodicée, de ses déclarations. Parce que tu dis, je suis riche.
Parce que l'ange de Laodicée pouvait dire, mais pourquoi Dieu, pourquoi me veux-tu me vomir? Pourquoi m'as-tu vomi? Eh bien, Dieu lui répond, parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, dit le Seigneur. Voyez, frère, donc Dieu la voit, n'est-ce pas? Dieu l'appelle aveugle, nu, pauvre, misérable. Donc, on comprend bien que Dieu, notre Créateur, Yeshua, le Maître de Maître, n'est-ce pas, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, homme, Dieu, notre Maître, notre Créateur, mes amis, n'a pas les mêmes critères de la richesse que nous. Cette église de Laodicée était riche financièrement, matériellement, mais la vraie richesse, comme vous le savez, est spirituelle. Selon Job 22, Job dit que « Jette ton or, l'or d'Ophir, l'or le plus fin, le plus prisé, jette-le dans la poussière et le Tout-Puissant, El Shaddai, sera ton or, ta richesse, ton argent. » Donc la vraie richesse, c'est Dieu lui-même. Voyez, frère, et d'ailleurs la parole le dit, nous sommes déjà, nous chrétiens, bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, Éphésiens 1:3. Donc voyez bien que la prophétie de Paul va se réaliser malheureusement des années après. Et Jean, quand il va écrire cette lettre, la lettre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, eh bien, Paul était déjà, mes amis, exécuté. Paul était déjà mort. Et sa prophétie va s'accomplir. La prophétie de Paul dans 2 Timothée 3, qui disait que les hommes seront amis de l'argent. Certes, beaucoup de chrétiens seront amis de l'argent. Eh bien, cette prophétie s'est accomplie parce que l'église de Laodicée a pris naissance. Voyez? Et voilà comment les chrétiens de Laodicée s'expriment. Nous sommes riches. Nous n'avons besoin de rien. Nous nous sommes enrichis. Donc, ce n'est pas Dieu qui a enrichi cette église, mais c'est elle-même parce qu'elle a aimer l'argent, elle aime l'argent, elle vole l'argent, elle se sert de la parole pour s'enrichir, mes amis. Donc cette église est composée, remplie de marchands, les marchands du temple. Ils vendent leurs CD, ils vendent leurs albums, ils vendent leurs concerts, ils vendent leurs prières, la bénédiction, tout ça. Tout est monnayable, tout est vendu dans ces églises-là. Ces églises ont des boutiques sur leur site pour vendre leurs ouvrages, pour vendre des Bibles, alors que Yeshua a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est le message de Jésus. Et on va vous rappeler cela encore, parce qu'on ne va pas cesser de vous dire la vérité, hein, de vous répéter les mêmes choses jusqu'à ce que cela rentre bien comme il faut. N'est-ce pas? Parce qu'il y a un marché parallèle et nous devons lutter contre ce marché qui dépouille, qui vole, qui avilit les chrétiens, hein, qui veulent avancer avec le Seigneur. Nous sommes dans Matthieu 10, verset 8. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche, verset 7. Guérissez les malades, verset 8. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est un ordre. Vous avez reçu gratuitement, donné, c'est un ordre. Donné gratuitement, c'est l'ordre que Jésus a donné aux apôtres. Voilà, si nous sommes chrétiens, si nous sommes disciples, nous devons faire comme le maître. Luc chapitre 6, verset 40 nous dit, tout disciple accompli sera semblable à son maître. Ceux qui sont disciples de Jésus donnent l'évangile gratuitement. Ceux qui ne sont pas de Jésus, ben, vendent l'évangile. Ceux qui sont du Seigneur donnent gratuitement leurs livres, leurs ouvrages, leurs enseignements, leurs formations bibliques. Ils n'ont pas de boutique sur leur site. Ils ont la vision de la mission. Vous voyez, ils donnent tout gratuitement et Dieu se souvient d'eux pour qu'ils aient de quoi faire l'œuvre. Vous voyez? Et regardez ce que Paul a fait. Est-ce que Paul a-t-il obéi à l'ordre du Seigneur? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. Oui, frères et sœurs, Paul a obéi à l'ordre que le maître lui a donné. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Voyez? Il est dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, je n'ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est imposée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Voyez? C'est ça, Paul. Paul a obéi à l'ordre. Voyez? Et il dit que c'est une récompense, le fait d'annoncer
gratuitement l'évangile. Et Dieu a permis à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile parce qu'il s'en occupe lui-même, il s'en occupe. N'est-ce pas? Ce ne sont pas des chrétiens qui doivent, mes amis, être, comment dire, menacés hein, pour nous soutenir, pour soutenir les prédicateurs. Voilà. Et dans Actes chapitre 20, qu'est-ce que Paul dit également là-bas? Actes chapitre 20, nous lisons, voilà, le verset 33. Je ne désirais ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, n'est-ce pas? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Laodicée, les chrétiens de Laodicée, ils lisent ce verset à l'envers. Ils disent qu'il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de sites chrétiens soi-disant n'ont qu'un seul message. Donnez, 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 donnez. Et vous recevez quoi en échange? Ben vous recevez que dalle, la pauvreté, la misère, la confusion. N'est-ce pas? Allons encore voir ailleurs. Nous sommes, frères et sœurs, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Paul continue son discours, n'est-ce pas? Il dit au verset 3, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, n'est-ce pas? Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Vous voyez, leur mobile n'était pas la cupidité, c'était le salut des âmes. Que le nom de Yeshua soit glorifié. C'était ça, leur mobile, leur, mes amis, vocation, leur vision, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes également dans Apocalypse, mes amis, chapitre 21. Nous lisons le verset 6. Et il me dit, ça n'est fait, hein, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de... je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ça, c'est Jésus qui parle après sa résurrection. Donc, il continue dans le même message. Vous voyez, je donnerai à celui qui a soif de l'eau, hein, de l'eau de vie qui vient, qui sort d'une source. Et il va la donner, cette eau-là, gratuitement. Et l'eau, comme vous le savez, est l'image de l'esprit, l'image aussi de la parole de Dieu, frères et sœurs. L'évangile doit être donné gratuitement. La formation biblique doit être donnée, prodiguée aux chrétiens gratuitement. Les Bibles doivent être offertes gratuitement. Tout ça, tout doit être gratuit dans la maison du Père. N'est-ce pas? Yeshua avait fait un fouet dans Jean 2 et chassé du temple les marchands, les voleurs, les changeurs de monnaie, n'est-ce pas? Les vendeurs de bœufs et de pigeons. Et c'est ce que nous devons faire également aujourd'hui. Nous sommes dans Apocalypse 22, chapitre 22, n'est-ce pas? Nous lisons le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui a soif dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Comment? Gratuitement. Vous voyez, il continue le même message. Vous voyez? Gratuitement. Et pour couronner le tout, Ésaïe 55 nous dit quoi, frères et sœurs? C'est un passage que vous connaissez certainement, vous qui aimez la vérité. Ésaïe 55, à partir du verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Voyez? Et voilà ce que le Seigneur nous dit ici au 8e siècle avant Jésus-Christ par le prophète Ésaïe. Il dit, mais pourquoi pesez-vous de l'argent? Parce qu'à l'époque, quand on allait faire des achats, n'est-ce pas, on pesait de l'argent, donc les métaux. Hein, donc or, argent, tout ça, et en fonction du poids, ben on avait de quoi pour acheter les choses qu'on avait, les choses qu'on voulait, la nourriture, tout ça. Voilà. Donc plus les métaux étaient lourds, plus eh ben ils avaient de la valeur. Voilà. Et donc là, le Seigneur dit pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas. En gros, ici aujourd'hui, on dira pourquoi, mes amis, achetez-vous des choses qui ne vous nourrissent pas. Pourquoi utilisez-vous votre argent, monnaie, pour aller vous former dans les écoles bibliques ici et là, alors que votre âme n'est pas nourrie réellement?
Voyez, pourquoi allez-vous acheter des livres sur le combat spirituel qui ne vous apportent pas la délivrance par rapport à vos problèmes de maladie, de démons, de péché? Voyez, pourquoi pesez-vous de l'argent pour des futilités? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans la majorité de nos églises. Eh bien, des chrétiens, mes amis, sont dépouillés, donnent beaucoup d'argent à leur pasteur, alors que ces derniers, mes amis, ne sont plus avec le Seigneur. Et c'est grave. Et c'est exactement ce qui se passe dans la majorité de nos églises, de sites soi-disant chrétiens, où des pasteurs vont carrément se présenter comme des véritables stars. Il y a leur biographie, n'est-ce pas? Il y a leurs femmes qui gèrent leurs entreprises comme des reines. C'est la confusion totale, frère, la confusion. Et voilà pourquoi ce soir, avec tout ce que nous avons comme, mes amis, documents ici, nous ne pouvions pas nous taire. Et voilà, et vous savez que nos têtes sont réclamées, hein, sur les plateaux. Et mais bon, tant qu'à faire, hein, donc on continuera à parler. Alors, nous allons d'abord vous présenter des soi-disant livres chrétiens, journaux chrétiens, calendriers chrétiens, et vous allez vous-même vous rendre compte à quel point des chrétiens sont volés, arnaqués, dépouillés, et on ne peut pas se taire. On commence d'abord plutôt par des choses simples. Hein, donc d'abord ça, ce qu'on appelle quoi, c'est un porte-clés. Hein, donc voilà. On a ici un porte-clés des fondateurs, du couple fondateur de cette secte. Hein, je ne sais pas si la caméra peut nous... C'est un peu flou, là. Merci, Laurent, pour le réglage. Et voilà. Et voilà. Je ne sais pas si on peut essayer avec la caméra qui est en face, juste en face de moi. Et pour que les frères et sœurs voient bien comme il faut ce qui se passe. N'est-ce pas? Donc, l'équipe technique... Voilà, là c'est plus clair. Alors on va essayer de zoomer un peu, merci. Tu es au maximum. Alors ici nous avons la photo de cette femme qu'on appelle Mama Olangi. Et derrière vous avez son mari. Et c'est un porte-clés qu'il propose à leurs adeptes. La soeur, on a une femme qui était là-bas, qui va témoigner à... elle préfère ne pas être vue, donc nous respectons sa volonté, son choix, et parce qu'il y a des représailles, hein, donc elle n'est pas totalement disposée à les subir, prête à les subir. Alors elle va simplement parler, vous allez simplement entendre sa voix. Ma sœur, bonsoir. Je ne sais pas, on va. Alors, le micro est allumé, c'est bon? Ok, bonsoir. Le micro près de la bouche, merci. Bonsoir. Alors vous étiez membre de cette secte. Vous avez fait combien de temps là-bas? Plus de 15 ans. Est-ce que tout le monde l'entend? Je ne sais pas si le micro est allumé là, l'équipe technique. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans? Oui. 15 ans dans cette secte? Oui. Et combien coûte ce porte-clés? Mais ça dépend, hein. Ça dépend parce que quand on met les choses à vendre, mm-hmm. des fois on fait les ventes aux enchères. Il y a des ventes aux enchères? Oui. Dans cette secte? Oui. Donc ça peut aller jusqu'à combien un tel... Mais ça dépend si... artefact. Oui, ça dépend jusqu'à 100 $, 200. 100 $. Ça dépend. Ça, c'est, cette secte a pour siège, hein, à Kinshasa, au Congo Kinshasa. Ouais. Mais elle a des ramifications dans le monde entier pratiquement. Donc ça peut aller jusqu'à 100 $, sachant que au Congo Kinshasa, le SMIC est à... Le SMIC est à même pas 50 $. Donc, c'est vraiment, ce sont des voleurs. Voilà. Et ensuite, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ce... C'est un logo pour. Quand on était à la convention, il fallait ça pour les participants, quoi. OK. Oui. C'est un espèce de macaron, quoi. Voilà, macaron. Voilà, pour leur convention. Et c'est payant aussi? Tout est payant. C'est payant? Oui. Parce qu'on reçoit, il y a une pochette. Et il y a tout dedans. Ça peut coûter combien ça? La pochette, c'est à 10 euros. 10 dollars. 10 dollars. Oui. Ça, là, 10 dollars chrétiens. Non, mais il y a des pochettes. Des pochettes dedans. Avec, oui. Enfin, on met ça dans les pochettes. Oui. Et c'est 10 dollars. OK. Et ça, c'est un pins. Oui. L'équipe technique va nous montrer. Un pins. Et combien coûte ce pins-là? Ça, c'était à 5 dollars. 5 dollars. Oui. Donc, vous mettez ça sur votre vêtement. 5 dollars. Voilà. OK. Alors, on a des foulards maintenant. Donc, on va essayer de nous
le déployer, le déplier bien comme il faut. Comme ça. Voilà, donc. Voilà. Alors, voilà, donc il y a le nom de la secte en question. Et ce foulard-là, ma soeur, coûte combien? C'était à 10 dollars. 10 dollars. Oui. Ok. Et quand c'est elle-même qui le vend, la fondatrice? Il y a des personnes qui sont chargées de ça. Et bon, ça dépend. Parce que là, il y avait des gens qui ont acheté à 20, 30. Ça peut monter jusqu'à... C'est vendu aussi aux enchères? Aux enchères. Ok. Voilà. Donc, premier foulard. Et ça, on a... Un badge, une écharpe. Ouais, une écharpe, ouais. Donc, on va montrer les amis, là. On va montrer ça correctement. Là. Alors, combien coûte cette écharpe là? 5 dollars. 500 dollars. 5 dollars. 5 dollars. 5 dollars. 5 dollars. Voilà, on est dans un marché. Hein. Et ce foulard. 10 dollars. 10 dollars, ce foulard. Voilà. Et ce t-shirt. 10 dollars aussi. 10 dollars aussi. Oui. D'accord. Ok. Et cette casquette. 5 dollars. 5 dollars. Oui. Voilà. 5 dollars. Fondation Olangui. Donc, ils ont une fondation également pour bien dépouiller les chrétiens. Hein? Et combien ça coûte cet objet? C'est avec la pochette, ça fait partie des pochettes. Ça fait partie des pochettes. Oui. Ok. Ok. Alors, on a le calendrier à l'effigie hein, du couple fondateur de la secte, Fondation Olangui Wosho. Et voilà. Alors, ma soeur, tu vas nous expliquer. Il y a plusieurs véhicules dessus. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est des dons qu'ils reçoivent des fidèles. Ce sont des dons que les fidèles apportent. Oui. C'est pour eux. C'est pour eux. C'est pas pour le ministère. C'est pour eux. Ok, donc ça c'est la voix. Ça c'est un hammer, hein, une hammer. Et puis là c'est pareil, hein, c'est des véhicules. Ce sont des américaines, hein, véhicules américains qui coûtent très cher. Donc je crois que c'est le véhicule du mari. Et celui-ci, c'est le véhicule de la femme. Et bah, pareil, là aussi, ce sont des cadeaux qu'on leur a offerts. Et vous avez ensuite ici la panoplie de commerçants qui sont invités là-bas. Hein? Donc, vous avez le couple au milieu, qu'on appelle papa et maman, au milieu. Et vous avez des ministères comme Miles Monroe, un homme, c'est un des papes du message de la prospérité, de l'évangile de la prospérité. Hein? Donc, voilà, qui fait partie aussi de ce cercle fermé, hein, cette mafia. Et voilà, donc tout ce monde-là, il y a aussi des Européens hein, qui sont invités là-bas pour dépouiller les gens, les Américains, tout ça. Donc c'est comme vous le savez, c'est la mafia quoi, c'est la mafia. Voilà, donc, et le calendrier coûte combien? Mais c'est toujours, on débute toujours à 10 dollars là. 10 dollars. Oui. C'est aux enchères. On commence à 10 dollars. Oui, on commence à 10 dollars. Il commence, hein, parce qu'on il commence, hein, donc voilà. Oui. On n'est pas dedans. On ne le sera jamais. Donc, vous avez aussi des musiciens congolais, soi-disant chrétiens, comme Patrice, hein, qui dénonçait les pasteurs hier, aujourd'hui. Il est complètement dedans. C'est un grand commerçant aujourd'hui. Hein, donc, c'est terrible. Et. Donc, bah, et là, c'est quoi? C'est une convention Oui, c'est une convention. Voilà. Oui. Donc, bah, il y a tellement de choses, mes amis, là. Hein, c'est terrible ce qui se passe. Hein, ici et là, voilà, un calendrier comme ça, ça commence à 10 dollars. Et ça peut... Pourquoi les gens sont à genoux comme ça, là? Où c'est? Là, je vois des gens à genoux. C'est pour prier ou tu m'as dit que les gens se mettaient à genoux devant eux? Oui, mais ça, c'est comme ça. Quand c'est pour aller les voir, vous vous mettez à genoux. Quand on va voir ce couple, oui. On se met à genoux. Oui. Waouh.
c'est vraiment, comme je vous disais, je suis là-bas quand même plus de 15 ans, mais c'est vraiment ce qui m'a choqué. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, y a un problème où c'est moi qui commence à délirer ou quoi, je ne sais pas. Je suis restée, même moi, je me suis... Mais pour les approcher, il faut se mettre à genoux. Waouh. Oui. Hommes, femmes, vous vous mettez à genoux. Hein. C'est grave. Mes amis, c'est grave. Regardez ce que la parole nous dit. Honnêtement, ils sont complètement hors la parole. Et c'est grave. Ceux qui prient là-dedans, là, un seul conseil, quittez là-bas. Si vos familles sont là-bas, priez pour qu'elles sortent de là-bas parce que c'est grave. Nous sommes dans Actes chapitre 10. Et Actes chapitre 10, nous lisons verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Pierre a refusé que Corneille soit à genoux devant lui. Il a mis debout. Hein, il lui a demandé de se lever, de se relever, parce que lui aussi était un homme. Bien qu'il soit apôtre, homme de Dieu, prédicateur, mais il a reconnu qu'il était un homme comme Corneille et il a refusé l'adoration. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19, n'est-ce pas? Et verset 9, l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais, Jean, qui parle ici, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez? Donc c'est terrible, c'est grave. L'ange que Dieu avait envoyé, un ange du ciel, que Dieu avait envoyé pour parler à Jean. Jean était déjà apôtre. Hein? Christ était déjà mort et ressuscité. Jean s'est mis à genoux devant lui pour l'adorer. L'ange a dit, garde-toi de le faire, car moi aussi je suis un homme comme toi. Mais malheureusement, Olangui, le couple Olangui, n'est-ce pas, et ce couple fondateur de cette secte à Kinshasa, au Congo Kinshasa, a oublié qu'ils sont hommes et femmes, l'homme et la femme, ils ont oublié qu'ils sont des hommes comme nous, qui doivent refuser l'adoration de leurs fidèles, de leurs adeptes. Et croyez-moi frère, quand on prend la place de Dieu, eh bien, c'est l'enfer qui nous attend. Voilà. Et voilà, il y a d'autres commerçants hein, donc, qui sont avec eux. Et il y en a plusieurs. Donc, c'est grave, frères et sœurs, c'est grave. Donc, on retrouve également Amy, la femme de Coutinho, n'est-ce pas, un autre commerçant. Voilà, Kinshasa. Il y en a tellement. Donc, et c'est grave ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, cette émission, c'est vraiment pour réveiller aussi nos amis d'origine africaine et congolaise particulièrement parce qu'il y a tellement d'abus aussi. Voilà, donc le message que Dieu nous a donné, c'est pour toucher tout le monde. Voilà, donc ce soir, nous avons voulu vraiment crier haut et fort notre, et mes amis, ras-le-bol, et, parce que des victimes sont complètement brisées. Et voilà, donc ensuite, nous avons des journaux, donc il y a un journal, Mission, et c'est combien ça coûte? Donc c'est 3 euros. Il y a le prix dessus. Hein, voilà. 3 euros. Et ce journal-là, ce journal-ci coûte combien? Je ne sais plus, ça fait longtemps. Là. Ça fait longtemps, ouais. Oui. Donc il y a un autre journal qui est payant, bien sûr. Hein. Payant. Tout est payant, donc les journaux. Ensuite, il y a des livres sur le combat spirituel. Vous voyez, ils aiment bien les dessins hein, pour faire peur aux chrétiens. Hein, donc comme quoi ben, tes menottes peuvent être brisées si tu lis ce livre. Hein, donc voilà. Et ils aiment bien les dessins aussi, les démons. Et comme beaucoup de chrétiens ont peur des démons, parce que beaucoup parmi ces chrétiens ne sont pas dans la sanctification. Ils sont les magouilles, dans l'impudicité, dans le concubinage. Ils vivent ensemble avec leur femme, leur mari, alors qu'ils ne sont pas mariés. Donc du coup, ils ont besoin des gourous, des gangas, des sorciers, des voyants pour être protégés. Et ce type de livre, mes amis, marche très bien. Ce livre-là, c'est un pasteur qui était parti donner un séminaire et il a vendu ce livre. Donc c'est un pasteur nigérian, Togolais. Togolais, qui fait partie bien sûr du réseau. Hein. Oui.
et qui a vendu ce livre-là. Donc, le prix, tu sais pas combien ça coûte? C'est 10 dollars. 10 dollars. Un livre comme ça, c'est même pas un livre, c'est un livret. Hein, donc, un petit livret, ça fait même pas combien les pages, là, mes amis, là. 42 pages et encore. Hein, donc, 10 dollars. Vous vous rendez compte, à peu près 7 euros. Voilà. C'est vraiment le monde à l'envers. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc, un autre livre, Les dangers de l'offense. Voilà. Et ce livre-là, donc, pareil, tu as le prix un peu, non? T'as pas... C'est au moins 20. Ça, là, je l'ai acheté au siège de Paris à 20 euros. 20 euros, oui. Au siège de Paris, 20 euros. Et ce livre-là, tu nous as parlé d'un livre vendu aux enchères là-bas qui a coûté 5 000 euros, 5 000 dollars. Non, 5 000, c'était le calendrier. Le calendrier? Oui. Qui était vendu aux enchères? Oui. Attends, on va nous redonner le calendrier pour que les frères et sœurs... Donc, c'est ce calendrier, ce fameux calendrier dont on a parlé, hein, donc, qui a été vendu aux enchères dans cette secte par la dame en question, Maman Langui. Mm. Et jusqu'à combien les gens l'ont payé? Payé dans les 5 000. Hein. 5 000 dollars. 5 000 dollars. Oui. Donc, à peu près 300 euros, à peu près. 4 000 euros à peu près. Pour juste ça, 4 000 euros, 5 000 dollars, dans un pays, mes amis, où le salaire minimum est de 30 dollars. 30 dollars à Kinshasa. Le salaire, le SMIC, 30 dollars, 25 euros. Et on vend ce calendrier aux chrétiens, aux enchères, dans cette secte, jusqu'à 5 000 euros. Dollars, c'est-à-dire 4 300 à peu près euros. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, et vous voulez qu'on se taise avec tout ça? On ne peut pas être chrétien et fermer la bouche face à de telles, mes amis, inepties, de telles, mes amis, vols. Hein, c'est quand même impressionnant. Donc, c'est vraiment lamentable et c'est grave. Voilà, un autre livre, hein, il y en a plusieurs, où l'on voit effectivement un démon derrière. Un démon qui se tient derrière un homme. Et ce genre d'image fait fureur, hein, dans le milieu de ces chrétiens qui sont complètement envoûtés. Et voilà, combat spirituel et le foyer. Alors, des femmes qui sont souvent victimes de ces charlatans, de ces gourous, de ces voleurs, malheureusement, ces femmes, certaines d'entre elles cherchent le mari, le mariage. Et donc, elles vont tomber entre les mains de ces voleurs qui les dépouillent. Et avec de tels livres, voilà. Vendu combien ce livre-là? Je crois que c'est un Nigérian. Voilà. Donc, un autre livre, pareil, avec des images. Hein, donc, ils aiment beaucoup les images, malheureusement. Et voilà. Et ça, c'est. Brisons les liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Bien sûr. Et les chrétiens doivent se délivrer de vos chaînes. Bien sûr, les chaînes de vos. Vos chaînes qui les empêchent d'être libres. Vos chaînes qui les obligent à être vos acheteurs. Ça, c'est le livre de Maman Olangui, Elisabeth Olangui Wosho Onyombe. Voilà. Tout ça, c'est du vol. Hein? Voilà. Donc, un autre livre qu'elle a écrit, hein, il y en a plusieurs. C'est vol. Et ce livre-là, tu l'as acheté combien à peu près, ma soeur? Ça, là, je l'avais acheté à Paris. À Paris. Donc, à 15 dollars. 30 dollars. 15 dollars. Oui. Voilà. Donc, il y a tellement de choses, frère. Et le dragon fut irrité contre la femme. Ça, c'est elle-même, cette dame qui l'a écrit aussi, je crois. Tu l'as acheté combien ce livre? À 10 dollars. 10 dollars. Un livret. Voilà. Elle-même, elle est là. Hein? Donc, avec tout l'argent que ce couple a amassé, ils ne peuvent pas laisser les chrétiens tranquilles. Ils continuent quand même à les dépouiller. Voilà. Donc, un autre journal. Hein? Donc, ils ont tellement. Et ce CD Fondation Olangui, ministère chrétien du combat spirituel. Voilà. Un DVD, je crois. Les DVD sont à 10 dollars. Hein. 10 dollars, le DVD. Le DVD. Le DVD. Oui. Donc, un DVD, 10 dollars. Oui. Chrétien, vous vous rendez compte, vous allez à Carrefour, ici, dans un magasin, hein, Carrefour, hein, vous achetez ce DVD 50 centimes d'euros, hein, hein, donc 50 centimes. Donc, là, donc voilà, si c'est un séminaire sur un mois, donc ouais. Multipliez 30 fois 10, ça vous fait 300 euros. À débourser. Et tout ça là, c'est du vol, c'est de l'arnaque, c'est grave, mes amis, là, c'est grave. Donc, ma soeur, tu as fait une formation là-bas, tu es partie carrément à Kinshasa pour faire une formation là-bas? Oui, j'étais partie à la convention. À une convention?
Voilà. Donc, tu as fait une formation de combien de temps? Tu restes un peu plus. Hein. Tu restais plus de 3 mois Oui. sur place. Oui. Ok. Et donc, ton mariage, ça naît où? Parce que tu es une femme mariée avec mère de plusieurs enfants. Et Oui. où ça naît ton mariage aujourd'hui? C'est en séparation. Tu es en séparation avec ton mari. Oui. Pourquoi? Mais parce qu'il ne prie pas avec moi. Parce qu'il ne priait pas avec toi dans cette secte. Il ne priait pas là-bas et puis voilà quoi. D'accord. Donc tu l'as, bien sûr, parce que tu étais envoûté, donc tu l'as chassé à l'époque, Oui. il y a 5 ans de cela. Est-ce que tu le regrettes aujourd'hui? Bien sûr. Ok. C'est grave. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? Je priais pour ceux qui sont encore là-bas, hein. Ceux qui sont restés dedans. D'accord. Oui. Et moi, je dis, dans ma prière, je dis, si c'est vraiment Dieu qui s'est révélé à Maman Olang, il faut qu'il se révèle de nouveau parce que c'est ça, quoi. Et je vais continuer à prier pour que Dieu puisse vraiment le toucher. Est-ce que tu as été consacré là-bas dans un ministère? Ici à Paris. À Paris, dans Oui. l'une de leurs branches ici à Paris. Oui. Consacré en tant que qui, quoi? Pour donner le message, on doit nous envoyer pour donner le message. Tu prêchais aussi? Pas encore. Pas encore. 15 ans après, tu n'étais toujours pas, tu étais toujours en formation. Et tu as déboursé combien là-dedans, là, à peu près là? Oh là là. Je sais plus. Et tu as d'autres livres qui sont encore chez toi, d'autres sacs? Oui. Carrément rempli de livres. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir amener ces livres ici chez nous, au programme de réveil? Ben déjà, j'ai connu l'émission par l'Internet et j'ai fait part à ma soeur. Et moi, je suis venue c'est la deuxième semaine. Et ce qui m'a touchée, c'était le témoignage d'une fille musulmane qui a ramené le livre de Coran et tout. Je me suis dit, déjà là où je suis, si je me pose des questions de savoir pourquoi toutes ces choses qui commencent à se faire là-bas, donc je ne suis pas dans le vrai. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit, c'est comme si le geste que cette musulmane a fait, comme si j'étais à la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, j'allais ramener aussi les livres ou bien les choses que j'ai utilisées là-bas. Comme Et dans comme, acte 19, hein, ceux qui voilà, avaient exercé la magie avaient comme leurs livres. ce que moi j'ai utilisé là-bas, c'était toutes ces choses que j'ai ramenées. Je me suis dit, mais je vais venir. J'ai dit à Dieu, si c'est vraiment conformément à sa parole, qu'il fasse que je vienne trouver le frère. Et effectivement, quand je suis arrivé, j'avais vu la voiture, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Et c'est comme ça que j'ai été reçu. Et automatiquement, le frère a demandé que je reste vraiment pour Témoigner. témoigner, pour libérer vraiment les âmes qui sont vraiment. Voilà, si vous le souhaitez, frères et sœurs, si vous voulez témoigner rapidement, n'hésitez pas à nous appeler. Hein. N'hésitez pas de nous appeler au 01 64 80, n'est-ce pas, 90 80, donc 01 64 98 90 45. Le numéro, n'est-ce pas, défile sur votre écran de télé pour ceux qui nous suivent via satellite ou sur votre ordinateur pour ceux qui sont connectés sur, ben voilà, via le net. Alors, mes amis, qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ce bazar? Hein? On va prendre le micro, donc on va donner le micro et pas allumer. Il y a quelques jours, j'étais en train de lire le livre de. C'était en plein partage, j'étais en train de lire le livre de Matthieu 24. Et le Seigneur m'a arrêté sur un point, en fait. Il m'a. Sur. Le Seigneur va. Les apôtres vont demander quel sera le signal du retour du Seigneur. Donne-nous le signal de ton retour. Il va leur dire que personne, au Matthieu 24, 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. En fait, le Seigneur me faisait comprendre que
En fait, cette séduction, la part qui sera utilisée sera le nom de Jésus. Mm-hmm. Tous ces artefacts, toutes ces choses qui sont vendues sous couverture de Jésus, en fait, pour que les gens puissent, en fait, adhérer facilement. Donc, ceux qui se disent chrétiens. Et le Seigneur me faisait comprendre que si autant de personnes, de faux prophètes se lèvent, c'est parce que c'est les chrétiens qui leur ont lancé cet appel. À cause de l'iniquité qui s'est accrue, en fait, à cause du manque de foi, ces hommes se sont levés parce qu'il y a aussi, des gens qui veulent de ces choses-là, en fait. Ils ont les pasteurs à leur image, en gros. Parce que comme s'ils leur lancent l'appel. Parce que si les chrétiens connaissaient leur identité, connaissaient le Seigneur, avaient une vie avec Dieu, méditaient leurs paroles, ce genre de choses aussi, quelque part, on n'aurait pas vu. Mm-hmm. Donc, quelque part, c'est aussi les chrétiens qui appellent ces hommes. Mm-hmm. Ils trouvent preneur. Ils ont la dévangeance d'entendre les choses agréables. Voilà. Ils ne veulent preneur. Pas se sanctifier. Ils veulent que... En fait, c'est comme chez les catholiques. Hein. C'est la même chose. Vous savez, quand on était à l'époque dans les églises catholiques, ben, les prêtres font tout pour les chrétiens catholiques. Ouais. Voilà, ils lisent la Bible pour eux, ils prient les saints, ils prient pour eux. Ben, surtout à l'époque des indulgences, ouais. N'est-ce pas? Au 4e, au 14e, 15e, 16e siècle, eh ben, les chrétiens catholiques pensaient que ben, on pouvait mourir dans le péché. Et si on était riche, ben, on n'avait qu'à payer les prêtres pour qu'ils fassent des prières afin d'être purgés, sanctifiés, nettoyés dans l'au-delà pour rejoindre le ciel. Voilà la confusion dans laquelle beaucoup de chrétiens étaient à cette époque. Et c'est encore le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Et les indulgences aujourd'hui sont remplacées par la dîme que payent beaucoup de chrétiens à leur bishop, à leur pasteur, à leur bâtiment d'église. Et ces offrandes inventées de toutes sortes, hein, d'offrandes, on va pas voir l'homme de Dieu les mêmes vides, par exemple, pour beaucoup de chrétiens, ce qu'on leur dit. Et donc, du coup, ben, ils sont dépouillés, volés, ils ne voient pas la guérison, vous ne voyez pas la guérison, la délivrance, parce que tout simplement, vous ne craignez pas Dieu. C'est aussi simple que ça. N'est-ce pas? Vous pouvez payer, donner autant d'argent à vos pasteurs. Si vous ne craignez pas Dieu, si vous ne priez pas chez vous, si vous ne vous sanctifiez pas, ben, il y aura pas Dieu. Dieu n'agira pas. Ce ne sont pas nous, ce ne sont pas les hommes, les prédicateurs qui amènent la guérison, qui produisent les miracles. C'est la parole qui est honorée. Quand Dieu est honoré, il agit. C'est aussi simple que ça. Allô, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, je m'appelle Andrea, je suis une sœur de Grenoble. Et je viens encourager la sœur là, qui est au combat spirituel, enfin, qui sort du combat spirituel, parce que moi j'ai été aussi à Grenoble. Il y a aussi une petite ramification sur Grenoble, et j'y étais moi aussi. D'ailleurs, c'est ma sœur, ma propre sœur en chair qui l'a amenée sur Grenoble. Moi, j'y étais aussi. Et je suis sortie quand... Déjà, ça ne me plaisait pas parce qu'il y avait beaucoup de comment dirais-je, de... Comment ça s'appelle, de loi, on va dire, de tu fais ci, tu fais pas ça. J'étais frustrée, j'étais pas bien, j'étais mal, quoi. Et même moi aussi, j'étais choquée par rapport aussi aux gens qui s'agenouillaient devant le couple. Enfin, il y avait beaucoup de lois, de choses qui me frustraient. Je n'étais pas libre. Et moi, je cherchais la liberté. Et un jour, je suis tombée sur... Et c'est ma propre sœur en chair qui a mené ce ministère de combat spirituel à Grenoble, qui elle-même m'a fait connaître, justement, Shurakwetu. Et j'ai tapé Shurakwetu, donc, sur le net. Et je suis tombée sur l'église. Église, où es-tu? Et depuis, je suis devenue rebelle à ce ministère. Comme dit la sœur, je prie pour que Dieu sorte justement mes sœurs. J'ai deux sœurs qui sont là-bas en chair et d'autres sœurs que je connais qui sont là-bas. Et je prie vraiment pour que le Seigneur puisse les ouvrir les yeux parce que vraiment, vraiment, c'est une frustration. On n'a pas la liberté. C'est faut toujours dire là où on va. C'est toute une hiérarchie, le staff de ceci, de cela. Enfin, voilà quoi. Je bénis Dieu de m'avoir ouvert les yeux au travers de votre ministère, au travers de vos enseignements, parce que moi, j'aime les enseignements, j'aime la parole, j'aime Dieu, et j'aime la liberté que j'ai en Christ. D'ailleurs, je dis souvent au Seigneur comme quoi, je préfère être libre, esclave de ta justice, qu'être esclave du péché, esclave du monde, ou esclave de quelqu'un ou autre. Et vraiment, je bénis le Seigneur que, quand j'ai entendu que vous allez dénoncer, ce ministère, j'ai éteint tout, je me suis mise à fond Internet, et j'envoie partout des SMS, écoutez TV de vie, vous allez voir, enfin voilà. Donc je suis contente, je bénis Dieu, je suis vraiment contente, parce que je suis vraiment rebelle de ce ministère, voilà. Que Dieu soit béni voilà. En tout cas, bonne continuation, et puis voilà, merci Seigneur. Merci, fille, merci vraiment que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur vraiment bénisse, que la soeur soit vraiment encouragée, qu'elle ne baisse pas les bras. Amen. Qu'elle ne baisse pas les bras. Vraiment, vraiment, qu'elle continue à
à prendre des enseignements parce que c'est vraiment la liberté, c'est vraiment la liberté et qu'elle arrivera mieux à comprendre la parole de Dieu. Amen. Et qu'elle se, comment dirais-je, se déformate de tout ce qui a été dit pendant plus de 15 ans dans ce ministère du combat spirituel. Parce qu'elle va être vraiment libre. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Donc, tout à l'heure, dans le témoignage de la sœur, elle disait qu'il y a beaucoup de lois. Et touche pas, prends pas, goûte pas. Et effectivement, comment savoir que vous êtes dans une secte? C'est simple. Eh ben, par exemple, dans les sectes, on ne vous laisse pas du temps libre. On ne vous laisse pas seul avec vous-même déjà. Avec Dieu, deuxièmement. Troisièmement, avec vos familles, vos maris, femmes, enfants, tout ça. Hein? Donc, on vous contrôle en permanence. On vous vole votre temps. C'est comme ça que Satan procède. Par exemple, du lundi au dimanche, on va mettre des programmes sur programme. Lundi, programme. Mardi, programme. Mercredi, programme. Jeudi, programme. Vendredi, programme. Samedi, programme. Dimanche, programme. Tous les jours de la semaine sont remplis de programmes, n'est-ce pas? Donc du coup, ben, vous n'avez pas du temps pour réfléchir, pour, n'est-ce pas, penser à vous-même, pour votre relation personnelle avec Dieu. Voyez, et on contrôle ensuite avec qui vous traînez, avec qui vous parlez, hein, avec qui vous mangez, tout ça. Donc, on vous contrôle également combien vous gagnez, hein, par chaque mois. Quel est votre salaire, hein? Donc, quand vous vous habillez, on vous demande, ah, vous avez, on vous fait des réflexions, ah, vous avez des belles chaussures, il faut soutenir l'œuvre du Seigneur, tout ça. Ah, vous avez telle belle, des beaux vêtements, pensez aussi à l'œuvre du Seigneur, tout ça. Et autre chose encore. Une autre caractéristique d'une secte, on vous pousse à servir l'homme plutôt que Dieu. Et on se sert de versets comme des épisodes comme Josué servait Moïse, et Élisée servait Élie, tout ça. Donc on vous pousse plus à servir l'homme de Dieu, tout ça. Donc du coup, ben, vous êtes plus serviteur de l'église locale que de Dieu. Plus vous servez plus votre église, votre dénomination que le royaume de Dieu. Du coup, une autre caractéristique, on vous empêche de répondre à l'appel du Seigneur et on vous demande de servir plus l'Église. Je prends un exemple. Si Dieu vous demande d'aller prêcher dans un train, dans un pays, on vous demande d'abord de demander la permission de l'homme de Dieu, de la maman. Voyez? Donc, une autre caractéristique, on vous empêche d'aller prier ailleurs. Voyez? Dans un autre groupe. Voilà. Donc, une autre caractéristique, on vous fait croire que on vous le dit ouvertement même, que votre église est la meilleure, que votre ministère est le meilleur, hein, que d'autres ministères ne sont pas bons. Voyez, nous dénonçons tous ces ministères-là et nous ne disons pas aux gens de venir chez nous. Dans une secte, par exemple, on va vous dire de venir chez eux, de rester avec eux, de vous enfermer avec eux. Hein, ils font des retraites sur retraites. Ils font des longs jeûnes interminables. Hein, donc, et tout ça, là, sont des... Je ne veux pas... Voilà, donc on aura un enseignement une autre fois sur les caractéristiques, hein, d'une secte selon la Bible. Mais voilà. Allô, oui, ma sœur. Ils viennent de définir un jeûne de 50 jours. Ils viennent de définir un jeûne de 50 jours. Oui. Voilà comment ça se passe. Et une autre caractéristique d'une secte, chaque année, leur fondateur donne un seul message à toutes les ramifications dans le monde entier. Mmh. Et les gens doivent suivre ce message-là. Voilà. Donc, c'est une vision pyramidale. Voilà. Une autre caractéristique d'une secte, le pasteur fondateur se présente comme le pasteur principal. À chaque fois que vous avez l'expression ou le mot pasteur principal, quittez. Ce n'est pas Dieu qui règne là-bas, c'est le diable, c'est le péché, c'est l'homme. Nous avons un seul pasteur principal, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la seule tête véritable de l'Église. Voilà. Donc, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous éloigner des gens, s'il vous plaît? Si, si, je m'éloigne. Si, si. On entend des bruits, donc c'est pas... Ce ah, pas... vous entendez du bruit. Allô, bonsoir. Vous pouvez parler? Allez-y, parlez, vous êtes en direct. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Au fait, je voulais aussi témoigner, puisque je suis restée là une vingtaine d'années, je suis sortie même d'une promotion. Curieusement, je suis arrivée...
N'écoutez pas votre ordinateur, parlez s'il vous plaît. Curieusement, je suis arrivée à la réunion de réveil. Là, on m'y avait délivré deux demandes de fréquentation de mauvaises églises et de demandes familiales. Moi qui suis sortie d'une promotion, comment, si c'était une vraie église, il y avait une vraie délivrance, je crois pas que tout ça, j'aurais eu tous ces demandes qui traînaient pendant une vingtaine d'années, soi-disant je suis sortie d'une promotion. Et puis, dans les formations, on nous dit que vous êtes des envoyés de second degré comme Caleb et Josué qui servaient Moïse. C'est comme ça que vous devez servir. On les appelle même les parents dans les ministères. Donc, depuis le jour qu'on m'avait délivré de demandes de fréquentation de mauvaises églises et de demandes familiales, je n'ai plus jamais remis le pied là. Je demande aussi à ceux qui continuent à y aller. Qui ne sont pas au bon endroit, ils doivent quitter. Hein. C'est le message que j'aimerais ajouter. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bon courage, merci. Voilà. As-tu quelque chose à dire, mon frère? Oui. Donc, tu disais, pardon. Donc, effectivement, ils sont. Ne vous laissez pas séduire. Hein. Donc, ils vont se servir du nom de Dieu, du nom de Jésus, de la parole, comme dans Ésaïe 4. Hein. Donc, fais-nous porter simplement son nom. À ton nom, disait ces femmes. Laisse-nous vivre notre vie. Laisse-nous vivre notre vie, manger notre pain et boire notre eau, mais laisse-nous porter ton nom. Et c'est ce que le Seigneur en fait m'expliquait. Et c'est que beaucoup, en fait, beaucoup de chrétiens, en fait, nous sommes dans une époque de l'apostasie. Et beaucoup pensent qu'ils sont réellement dans la vérité. Mais parce qu'il n'y a plus cette remise en question, mais peut-être que je suis dans l'erreur. Donc tout de suite, on attaque mon pasteur, on attaque mon église. C'est l'autre, c'est l'antéchrist parce que mon pasteur, c'est le meilleur. Et le Seigneur dit qu'en fait, beaucoup viendront, ils vont prendre le nom de Jésus comme appât. Et l'appât, en fait, pour attirer les chrétiens, c'est Jésus lui-même. Ils vont faire des livres, des trucs, pour que les gens viennent. Vu que les chrétiens ont peur de la mort, ont peur de Satan, ont peur du diable, bah, toutes ces choses-là, en fait, servent pour les pas attirer. Pas tous, mais quelques-uns. Beaucoup quand même. Beaucoup de chrétiens quand même. Ouais. Et plusieurs le suivront, en fait. Et ces gens suivent tous ces pasteurs. Et il y a aussi une chose, une frustration qui est chez les chrétiens, qui pousse les gens à courir après les pasteurs parce que très peu ont une relation réelle avec Dieu. Parmi ces chrétiens. Voilà, très peu ont une relation réelle. C'est comme dans l'église catholique, en fait, finalement. C'est la même chose. Donc, on te pousse plus à avoir une relation avec les hommes, avec le prêtre, voilà, plutôt qu'avec Dieu. Et on le voit aujourd'hui. Quelqu'un peut t'approcher, prie pour moi, tu dis, ça va aller, va. Non, prie pour moi. Mon cas, il dit, mais Dieu connaît ton cas plus que moi. Mm-hmm. Donc, va voir Dieu, il va régler ton cas. Il veut à tout prix qu'on les touche. Il veut à tout prix que tu pries. Donc, les gens, en fait, il n'y a pas de communion avec Dieu. Et ce genre de chrétiens, vous les laissez à la maison à moi, ils deviennent des païens en fait. Ils sont déjà païens. Ils sont déjà païens en gros dans le cœur. Mm-hmm. En fait, c'est ça en fait qui fait que les gens courent après les hommes. Parce qu'il n'y a pas de réelle relation. Parce que si tu vis vraiment Dieu dans ton cœur, tu ne vas pas courir après un homme. Tu ne cherches pas un pasteur quoi. Voilà. On ne cherche pas une église. Voilà. Si on est membre d'une église, de l'église de Christ, on n'a pas cherché encore une église quelconque. À courir. Dieu te met en contact avec des frères et sœurs qui le craignent. Voilà, donc tu ne vas pas t'enfermer dans une secte pour avoir une carte de membre avec photo, avec je ne sais pas quoi. Donc le frère voulait dire quelque chose aussi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je voulais simplement rebondir sur le fait que l'Église de Christ n'est pas une démocratie. On ne fait pas ce qu'on veut comme on veut. L'Église de Christ, c'est une théocratie. C'est-à-dire, le terme théos en grec, ça veut dire Dieu, et kratos signifie kratie, en fait. Donc, ça signifie la souveraineté de Dieu. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ce qui est à Dieu, ça appartient à Dieu. Donc, il faut arrêter de salir l'image. En tout cas, j'ai un message pour vous, faux prophètes, faux apôtres, bishop, archibishop. Je vous donne le passage d'Ésaïe 47:3 qui dit que ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne, dit l'Éternel. Donc vous avez intérêt de vous repentir parce que la vérité vous affranchira partout. Nous vous suivrons partout en fait. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je voulais on va plus se taire quoi, en tout cas. Voilà, on va plus se taire. Et je voulais rebondir aussi pour sur le fait qu'on vende les bénédictions, l'onction de Dieu. Donc je voulais qu'on lise brièvement le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 18. Donc je cite, « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant,
accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Donc tous ceux qui demandent au pasteur de... qui sont prêts à offrir de l'argent pour avoir une bénédiction, pour avoir une prière quelconque, Dieu vous dit dans la parole, repentez-vous de votre méchanceté et priez le Seigneur pour que la pensée de votre cœur vous soit pardonnée, s'il est encore possible. S'il est encore possible. S'il est encore possible. Et je poursuis, car je vois, il dit, car je vois que dans le fier la mer et dans le lien de l'iniquité, quand vous êtes dans le lien de l'iniquité, tout simplement. Donc voilà, repentez-vous et nous prions pour vous, en tout cas, en toutes circonstances. Et nous espérons que vous allez être bénis et affranchis par ce message, parce que Dieu, il est là, Dieu, il voit tout ce que vous faites. Je tenais à dire que les yeux de Dieu sont comme une caméra. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est-à-dire, vous aurez des comptes à rendre au jour du jugement. Et que si demain, vous mourrez dans cet état pitoyable, vous qui retenez captivement la vérité du Seigneur, c'est l'enfer qui vous attend. Et l'enfer, c'est une éternité. C'est quelque chose qui dépasse votre entendement. Mais repentez-vous aujourd'hui parce que vous avez cette grâce encore. Le Seigneur permet encore que vous puissiez vous repentir. Alors profitez de cette occasion, prophète, apôtre, peu importe qui vous soyez, vous tous qui paissez le troupeau de Dieu, faites-le correctement. Et voilà, je bénis le Seigneur de m'avoir accordé de parler au nom de Jésus. Toi-même, amen. Tu étais dans une secte aussi, tu étais... Tout à fait, j'étais dans une église où le prophète des nations proposait, compris pour... Il s'appelle voilà, comme ça, prophète, révérend prophète des nations. Wow. Donc, sachez que derrière les noms, derrière l'habit, etc., se cache comme la pomme d'Adam, en fait. À l'extérieur, vous voyez une belle apparence, mais à l'intérieur, c'est pourri. Il y a vraiment... Il y a tout pour casser un homme, en fait. Et tout simplement pour l'amener à la perdition. Donc, en fait, voilà. Donc, ils proposaient, compris pour eux, pour les entreprises, par exemple. Donc, un cachet de 300 euros pour les entreprises, 100 euros pour la famille. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, encore une fois, le Seigneur vous demande de vous repentir parce que c'est une abomination. On n'achète pas le don de Dieu. On n'achète pas le don de Dieu. Et encore une fois, je veux rebondir sur ce passage qui dit « Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous, prophètes, et ceux qui demandent aux hommes de Dieu de prier pour eux en contribution d'argent, tout simplement. Donc, repentez-vous et soyez tous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu nous garde, en tout cas. Et voilà, donc, c'est une belle parole ici, quand même. C'est très fort comme parole. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. N'est-ce pas? Donc, et Pierre dit quoi, mes amis? Que ton argent périsse. Oh, il nous faut de tels prédicateurs. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. C'est-à-dire, littéralement, tu as mis ta foi dans la doctrine, dans l'enseignement, dans l'évangile de la prospérité. Oui, tout ça, tout à fait, parce qu'il n'y a rien de commun, comme nous dit la parole, entre Christ et Bélial. Voilà. Et il n'y a rien en commun, c'est-à-dire les deux sont complètement opposés. Vous n'allez pas comparer Dieu et Satan. Donc Dieu, Satan, si vous voulez, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est mammon. Le pouvoir, c'est mammon. Mm-hmm. C'est les diamants, tout ce que vous voulez. Hein. Donc je pense que beaucoup de pasteurs aussi ont fait des pactes avec le diable. Hein. Malheureusement. Et voilà. On le sait. On sait ce qui se cache dans les coulisses, en fait, parce que bon, ben voilà, nous sommes des chrétiens et nous connaissons la vérité, tout simplement. Et donc, voilà. Donc, il n'y a rien en commun, en fait, la parole nous dit, entre Christ et Bélial. Donc vous qui partez dans ces assemblées, ben, ayez le discernement et ayez aussi, une communion avec Dieu, parce que c'est Dieu qui va vous faire comprendre que vous êtes dans l'erreur, tout simplement. Parce que Dieu. Voilà, Dieu n'est pas dans l'argent et tout ça. Dieu, sa grâce, elle est gratuite. Dieu est venu mourir à la croix pour gratuitement, en fait. Donc voilà. Il le dit dans Job 41, il dit, de qui suis-je débiteur? Je le payerai.
Donc honnêtement, effectivement, le Seigneur est mort sur la croix pour nous sauver gratuitement. Et Pierre ici, qui a reçu un enseignement directement du Seigneur, a dit clairement ici à Simon, tu as cru, tu as mis ta foi dans une autre doctrine. Tu as cru que le don de Dieu, donc ça peut être acquis hein, par l'argent. Comment peut-on croire qu'on peut avoir un mari, une femme, un poste, une onction en donnant de l'argent à un pasteur, en donnant de l'argent à un prédicateur, à une prophétesse? Comment des chrétiens dignes de ce nom peuvent-ils croire ce mensonge qui vient de Satan? Rappelez-vous bien que Simon était prophète de Satan, était serviteur de Satan. Hein? Pierre lui dit carrément, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. C'est-à-dire, tu n'es pas membre de notre royaume. Tu ne peux pas introduire cette hérésie, cette semence, cette mauvaise semence dans notre cœur. En fait, c'est Satan carrément qui a tenté Pierre ici, qui a voulu faire tomber Pierre dans la cupidité. Et malheureusement, il a réussi à faire tomber beaucoup de pasteurs dans ce piège. Donc des gens comme Simon, il y en a plein dans nos assemblées, qui viennent avec l'argent envoûté et qui le proposent aux pasteurs. Et malheureusement, quand on prend cet argent, on devient cupide. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Le combat est grand. Le combat est terrible. Nous n'avons rien contre ces hommes. Mais nous prions vraiment, frères et sœurs, s'il est encore possible, comme Pierre le dit ici, qu'ils reviennent à leur premier amour. Quand ils se sont convertis, quand ils prêchaient encore la croix, quand ils prêchaient la gratuité, quand ils prêchaient la grâce. Parce que le mot grâce, mes amis, le fer de lance de l'évangile, c'est Dieu est le Dieu de grâce. Le mot grâce signifie faveur imméritée, la gratuité. Voyez, grâce signifie gratuité. Oh, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Revenons à l'évangile pur, à la repentance. Repentons-nous de ces œuvres mortes et, mes amis, convertissons-nous. Allons vers le Seigneur car il revient. Il revient, mes amis, rapidement. Voilà, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, je suis une soeur qui appelle depuis les États-Unis. En fait, je voulais simplement vous encourager pour la parole, parce que vous vous battez vraiment pour l'évangile. On n'en trouve pas beaucoup de personnes qui sont prêtes vraiment à souffrir pour l'éternel. Mais c'est déjà encourageant de voir qu'il y en a qui sont prêts vraiment de tout leur cœur de défendre l'éternel et de se battre vraiment dans la vérité. Et nous sommes avec vous, on est nombreux qui se lèvent aussi. Même étant aux États-Unis, nombreux qui défendent la parole et qui ne baissent pas les bras parce qu'on sait que notre Seigneur, il régnera et on régnera avec lui. Et puis, que vraiment, ici aux États-Unis, c'est grave, c'est rien que de l'argent, c'est partout, c'est de l'argent. Donc, tout ce qu'on fait, c'est de l'argent. Il y a même des prédicateurs qui vont jusqu'à dire que vous êtes maudits, si vous ne voulez pas donner vos dîmes, ne venez même plus à l'église parce que c'est comme si vous venez perdre votre temps. Si vous savez que vous n'avez pas 10% de ce que vous avez, ce n'est pas la peine de venir, on n'a pas besoin de vous. C'est vraiment grave, en fait, ce qui se passe ici. Et puis, on a juste envie de prier sur le toit et puis dire que voilà. Et on a quand même qui se lève que la vérité, et puis je voulais vraiment vous encourager pour ça. Que Dieu soit béni, merci ma soeur. Bonne continuation, surtout aussi les États-Unis. Hein. Beaucoup de nos églises ces églises sont malades. La plupart des églises qui sont malades, malheureusement, sont envoûtées. À part les ministères qui viennent aussi des États-Unis. Voilà, ma sœur, donc, qui est au combat spirituel, qui veut encore s'exprimer. Ouais, tu peux. Non, mais il y a aussi un problème là-bas, surtout quand ils invitent des prédicateurs extérieurs au ministère. Et ces prédicateurs-là viennent des fois dire que Dieu m'a dit qu'il y a 20 personnes, par exemple, qui doivent donner 2000 euros. Waouh, des voleurs. Ce sont des voleurs. Voilà. Et tant de personnes qui doivent donner 1000 euros. C'est ça. Des voleurs. Ce que Paul n'a pas fait, ce que Pierre n'a pas fait, ce que Jacques n'a pas fait, ce que Jean n'a pas fait. Voilà, donc nous assistons actuellement, mes amis, au dépouillement des chrétiens par ces marchands du temple qui vont... D'ailleurs, quand certains, on les invite, ils partent avec leurs ouvrages pour les vendre, hein, avec leurs CD, ils ont toute une panoplie hein, de choses, hein, de produits. Hein, voilà, qui propose aux chrétiens, mais c'est grave, mes amis, c'est terrible. Chrétiens, réveillez-vous, réveillons-nous. Nous prenons des risques énormes. Comme vous le savez, nous sommes accusés faussement. Le fait de dénoncer comme ça, avec amour, bien sûr, et nous sommes, on nous traite de tout le nom.
que c'est de la calomnie, que c'est un manque d'amour, que c'est des manipulateurs, des voleurs, des impudiques. On est traité de tout le nom. On fait des enquêtes sur nous pour nous faire tomber, soi-disant. Voilà, pour nous... Mais beaucoup de chrétiens ont déjà vu clair. Vous voyez, ils connaissent. Vous pouvez dire des mensonges sur nous, mais les vrais enfants de Dieu, Dieu leur parle directement. Chez eux, ils ont des songes et des visions sur notre état spirituel et Dieu leur montre également par les fruits qui nous sommes réellement. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens qui étaient venus chez nous. Nous n'avons pas un chez nous, nous avons un seul royaume, mes amis. On est déjà dans ce royaume depuis la nouvelle naissance. Donc on n'a pas encore à sortir les chrétiens d'un endroit pour les amener encore, on n'a pas à sortir les chrétiens du corps de Christ pour les amener dans ce secte. Vous êtes déjà chrétien, l'église de Dieu. Vous êtes assis dans les cieux. Vous êtes citoyen des cieux. Vous êtes chrétien, enfant du royaume des cieux. Enfant du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Mais vous voulez quel père spirituel encore? Vous voulez qui encore, mes amis, pour être votre parrain, votre chef, votre couverture, je ne sais pas qui? Revenons à Dieu. Voilà. Donc, on a voulu ce soir crier, hein, vous dire que nous sommes vraiment dans des temps difficiles. Demain, 20h30, connectez-vous. Il y a un enseignement sur la fin de temps, les derniers jours. On va expliquer la différence, on va expliquer ce qui se passe, ce qui va se passer. Et d'après les Écritures, on va parler de la prophétie biblique. Frères et sœurs, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vraiment parlé. Et je crois qu'il est aussi temps qu'on puisse donner un enseignement là-dessus. Voilà. Donc, un mot de la fin pour les frères qui sont avec nous. Mon frère Julien. Je bénis le Seigneur vraiment pour... ce moment qu'il nous a encore donné, vraiment ça me fait très très mal qu'on voit toutes ces choses-là. On voit vraiment que le Seigneur, il est vraiment son cœur saigne. Mm-hmm. Parce que toutes ces choses-là, lui-même, il dit dans Ésaïe que je suis l'Éternel, je ne donnerai jamais ma gloire à personne. Mm-hmm. Maintenant, des hommes commencent à prendre la place du Seigneur, mm-hmm. ce qui est grave. Ils ont pris la place du Seigneur. Lui-même, il dit dans sa parole, Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Il était dans un lieu où il était glorieux. Mais pour venir chercher, payer le prix pour l'humanité, il s'est sacrifié, il s'est donné lui-même. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons sauvés. Mais regarde aujourd'hui, vraiment c'est le contraire. L'homme a pris la place de Dieu. C'est triste. C'est triste. Et on a érigé des idoles comme dans Exode 32. Exode 32, ouais. Hein, on c'est a érigé triste. Des veaux d'or. Hein, cette génération est terrible. Pendant que le bien-aimé appelle là, je sens à moi la tristesse. C'est-à-dire, ils sont vraiment blessés. Je sens la tristesse. Vraiment, c'est grave. Vraiment, il faut que le peuple de Dieu se réveille. Vous vous rendez compte? Il y a des sites où la plupart des sites ont des boutiques. C'est ça. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, c'est que Jésus-Christ a dénoncé avec force notre maître en chassant les vendeurs du temple. Et regardez ce que Zaïe, justement, nous dit, mes amis. Et j'allais oublier ce passage que le Seigneur m'a mis à cœur depuis tout à l'heure. Zaïe chapitre 14, merci Saint-Esprit. Zaïe chapitre 14. Et regardez ce que Dieu dit et, dans sa parole, frères et sœurs. Et... verset 21, toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à Yahweh des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de Yahweh des armées en ce jour-là. C'est Zacharie, pardon. Zacharie 14, 21, merci. Zacharie 14, 21. Donc Dieu dit ici, qu'il n'y aura plus de marchands dans la maison de Yahweh en ce jour-là. Tu vois, mon frère Julien, cela veut dire que jusqu'à ce que Yahweh revienne, il y aura toujours des marchands dans les assemblées. Et c'est ça qui est grave. Mais au moins que les chrétiens qui sont tombés dans ce piège, les pasteurs qui sont de Dieu, qui étaient devenus mendiants, non parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils sont tombés dans un piège, étant nés dans un système corrompu, ils sont corrompus eux-mêmes comme nous dans le passé, eh bien, néanmoins que ces pasteurs sortent de cette confusion, se repentent et comprennent que Dieu dit qu'un temps viendra où sa maison sera purifiée des marchands. Le Seigneur disait dans Jean 2, vous avez fait de la maison de mon père une maison de voleurs, de trafic. On fait des trafics aujourd'hui. Quand on vend des choses, la Bible, quand on vend des livres, on vend des t-shirts au nom de Jésus,
avec les figures de Jésus. Quand on vend des porte-clés, quand on vend, mes amis, des mouchoirs, quand on vend, on fait des concerts payants, on vend des CD avec des photos de chantres dessus. Mes amis, ce sont des trafics, c'est du trafic. Et voilà pourquoi Dieu dit dans Apocalypse 18 que les marchands, mes amis, de la Babylone vont pleurer. Et Dieu dit dans Zacharie 14, 21 qu'il n'y aura plus de marchands dans sa maison en ce jour-là. Donc Dieu laisse ces hommes et ces femmes, mes amis, faire ce qu'ils veulent parce qu'ils refusent de se repentir. Mais un temps viendra, frère, où Dieu lui-même, quand il va revenir, il mettra de l'ordre. Mais nous voulons nous-mêmes, mes amis, nous sanctifier, nous qui voulons aller au ciel, pour ne pas être, mes amis, châtiés par le Seigneur ce jour-là. Voilà. Que Dieu nous garde. Nous vous donnons rendez-vous demain, 20h30, heure de Paris, si Dieu le veut, si Dieu le souhaite. Que toute la gloire lui revienne. Repentons-nous et que Dieu nous garde. Au nom de Yeshua. Amen.